Eh bien, salut à tous, c'est Valentin, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2024. Et après les séances d'entraînement qu'on a pu faire dans la précédente vidéo découverte, on va aujourd'hui se lancer dans la création de notre coureur et réussir des missions pour le faire progresser de saison en saison. C'est le Pro Leader. Votre objectif est simple, devenir le meilleur coureur possible et dominer le classement Pro Cycling individuel. Pour progresser, vous devez accomplir vos objectifs de carrière. Chaque objectif réussi vous permettra d'améliorer vos notes et de devenir plus fort. Quelle que soit votre spécialisation de départ, vous devrez agir comme un simple baroudeur et vous ne pourrez vous comporter comme un leader qu'après avoir progressé et fait vos preuves. Bon courage! Alors, équipe réelle. Permet de démarrer la partie avec des coureurs issus de différentes équipes et c'est ce qu'on va faire. On fait activer. Budget initial donc sans limite. Votre budget sera limité, illimité en début de partie, mais vous ne pourrez recruter que des coureurs issus de l'équipe sélectionnée. Alors ça on peut pas modifier puisqu'on est en équipe réelle. Difficulté, on met par défaut qui conviendra à la plupart des joueurs. La difficulté modifiée avec le départ de chaque épreuve. Donc champion, légende, amateur, professionnel. Donc ça c'est par défaut. Combien à la plupart des joueurs. Champion réservé aux joueurs aguerris capables d'établir des stratégies à long terme pour l'emporter. Légende réservée à ceux qui aiment souffrir. Amateur destiné aux joueurs débutants et néophytes du cyclisme. Il est possible de gagner avec la plupart des outsiders. On va mettre professionnel. Base de données. Jouer avec les compositions des équipes et les notes des coureurs par défaut. Base 1. Et utiliser l'éditeur pour activer cette base de données. Base 2, base 3. Voilà. Donc cyanide. On met cyanide. Nombre de joueurs. Jouer seul. Face aux autres équipes, oui, coopération. Donc on peut jouer à deux aussi si on le souhaite. Avec deux manettes, certainement. Mais là on fait solo. Après vous avez chute, chute sans blessure, chute avec blessure. Chute avec carrément abandon. Le coureur qu'on vous contrôlez peut chuter et se blesser au point de devoir abandonner. Alors oui, ça en fait. Chute avec abandon, bien sûr. Préparation, donc les formes du joueur ne sont pas affectées. Si on active un entraînement spécifique qui est simulé par cette course, pour cette course, des coureurs pourront surperformer et d'autres sous-performer par rapport aux attentes. La préparation affecte les formes du joueur. Donc ça en fait activer aussi. Préparation, il faut bien se préparer, pardon. Incident de course, des chutes et des maladies surviennent de temps en temps. Donc on fait rare, normaux, où des maladies surviennent. Et fréquent, ça survient régulièrement. Aucune chute ni maladie. On va mettre normaux. Coureurs. Tous les coureurs du peloton pourront chuter ou être atteints par des maladies. Seulement les adversaires. Tous les coureurs, bien sûr. Conséquences des chutes. Chute sans blessure. Chute avec blessure. Chute avant abandon. Lorsqu'un coureur que vous ne contrôlez pas chute, il peut se blesser et abandonner. Les blessures limitent le niveau d'effort maximal que le coureur peut atteindre. Tout à fait. Les maladies. Courtes ou normales ou avec abandon carrément. Donc on va faire avec abandon, lorsqu'un coureur est atteint d'une maladie, les chances d'amélioration sont normales, mais en cas d'aggravation, le coureur peut abandonner entre deux étapes. Les maladies limitent le niveau d'effort maximal que le coureur peut atteindre. On fait avec abandon, allez. Ok, c'est parti. Maintenant on choisit notre team. Donc on a Alpecin de Koenig, Arkea B&B et B&B Hotel, Astana Kazakhstan Team, Bora Hansgrohe, Bahrain Victorious, Bingoel VB, Team Planders Foles, Burgos BH, Caja Rural Seguros RGA, Cofidis, Coratec, Team DSM Firmenic Post NL, Decathlon AG2R La Mondiale, EF Education Easy Post, Euskatel Euskadi, Groupama FDJ, Ineos Grenadier, Intermarché Wanty, Israël Premier Tech, Team Jayco Alula, Equipo Kern Pharma, Lidl Trek, Lotto Destiny, Movistar Team, Team Novo Nordisk, Team Poltico Meta, Q365 Pro Cycling Team, Sorbet Team, Soudal Quick Step, Team Total Energy, Tudor Pro Cycling Team, UA Team Emirates,
Uno X Mobility, VF Group Bardiani, CSF Faisané, Team Visma Lisa Bike, et voilà. Donc, on peut choisir. Et moi, donc là, on a Arkea en France. On a Cofidis. On a Decathlon AG2R la mondiale. On a Groupama FDJ. Et on a Team Total Energy. Là, c'est marqué mon équipe. Donc, ça, c'est votre équipe. Que vous pouvez créer vous-même. Moi, je serais parti plus. J'aimerais bien Team Total Energy, je crois. Cofidis, moi. Decathlon AG2R la mondiale, c'est pas mal. Mais. Groupama FDJ, j'aime bien aussi. Mais je préfère Total Energy. Donc on va prendre Total Energy. Alors, ça commence par notre nom. Donc là, on va marquer notre nom. Donc on va marquer Moselle. Et mon prénom, du coup, c'est Valentin. Pense, bien sûr. Peau. Couleur de peau. Alors, bon, le problème, c'est qu'on voit pas le personnage. Alors, il faut peut-être rigoler. Ok, là. Alors. Comme ça, c'est bien. Donc, couleur de... Ah, couleur de peau, oui, c'est la... le réglage, là, ok. Âge. Du coup, j'ai... Du coup, je vais mettre mon âge, hein, 28. Taille, on va mettre 1m75, c'est ce que je fais. Poids, on va mettre 70 kg, normalement je fais 60. Allez, on va mettre 65. Fréquence. Fréquence de pédalage détermine si le coureur tourne plus ou moins vite les jambes. Normal. Le type de coureur détermine les notes de base de votre coureur. Je suis plutôt montagne, non. Sprint, pas trop. Vallon, polyvalent. Plutôt polyvalent, on va dire. Allez, continuez. Alors, plaine 64, sprint 59, accélération 58, 61 vallon, moyenne montagne 59, contre la montre, endurance, résistance, pavé. Ok, attaquer, échapper en tête pendant 10 secondes. Pendant 10 km, pardon, cumuler 25 km. En échappée solitaire, passer en tête d'un coup de catégorie 3 ou 4, terminer une tête de plaine. Voilà ce qu'il faut avoir. Un objectif. L'objectif de la carrière. Donc on nous demande d'attaquer et d'échapper, de s'échapper en tête pendant 10 km. De cumuler 25 km en échappée solitaire. De passer en tête d'un coup de catégorie 3 ou 4, de terminer une tête de plaine. Ok. Alors là, on a plein de épreuves. Mais il y a des... Vous n'êtes pas qualifié pour cette épreuve. Donc, 3 jours de Provence. On peut faire la Brest Cup, on peut faire aussi. Open Tour, et voilà.
les 3 jours de Provence. Donc Saint-Paul, trois châteaux Nîmes, Fayence, la Gineste, le Broc, Val-de-Blore, la Colmiane. 160 km, on est plutôt en plat, mi-montagne et montagne. Vallonné et montagne. Après un périple le long des gorges de l'Ardèche, cette étape devrait conduire à un sprint massif au cœur de Nîmes. Classement général 25 points, classement annexe 10 points, étape 15 points. Deux sprints intermédiaires par étape sur cette épreuve. Pic de forme. Zveyov, Oliveira, Lawrence, Anolkowski et Formolo. Souhaitez-vous jouer l'épreuve ou la simuler? Vous allez jouer l'épreuve normalement avec la possibilité de passer des étapes en mode étape rapide. Non, on joue. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape! Oh bah merci pour tout ça. Merci coach. Donc, notre étape. Saint-Paul. Trois châteaux, Nîmes, 160 km. Vous êtes au départ de la première course de la saison, les classements Pro Cycling seront établis à l'arrivée de cette étape. Bonne saison. Récompense. Ok. Bah écoute. Règlement. Informez votre prochaine étape à disputer. Souhaitez-vous jouer l'étape ou la passer en mode étape rapide? Vous allez jouer l'étape normalement avec la possibilité d'accélérer quand vous le souhaitez. On va jouer. C'est parti. Les favoris sont eux. Un de la Décathlon, un autre de trucs. Ok, alors. Alors. Lui, il est plutôt... Ok, Wallonie, montagne, comme moi. Alors, on a un Italien, un Allemand, un Portugais, un Français et un Polonais. Ok. En bonne forme. En bonne forme, lui, il est pas trop en forme. Non, mais je vais jouer la course avec moi, hein. Bien sûr. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au départ de ces 3 jours de Provence, épreuve d'ouverture de la saison cycliste. Cette première étape vers Nîmes s'annonce relativement tranquille pour le peloton. La course ne devrait s'animer que dans sa partie finale, lorsque les équipes de sprinteurs travailleront à la préparation d'un sprint massif. Allez les gars, c'est la première étape de la saison. C'est une reprise en douceur avec une étape sans risque. Parfaite pour reprendre ses marques. Bonne journée. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà.
L'échappée possède 30 secondes d'avance. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Nos raids vous permettent de donner des consignes ou de prendre le contrôle d'un équipier, mais aussi de déclencher l'avance rapide avec LT ou de choisir la destination avec LB. La durée des consignes est modifiable dans le menu options. Ils sont trois dans le groupe Gate. Personne de ma team. On est quatrième. Vous venez d'activer le régulateur d'effort. Ce dernier vous permet de gérer votre effort à la hausse avec LB ou à la baisser avec RB. Quand le régulateur d'effort est activé, vous pouvez relâcher RT. Ces équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Vous venez de déclencher le mode suivre. Tant que vous maintenez X appuyé, votre coureur suivra le coureur devant lui en adaptant sa trajectoire et son effort. Bravo les gars! Continuez comme ça! Allez les gars, courage! Allez! 1 minute 30 en faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne! Continuez comme ça! Bravo les gars! Lâchez rien! Allez! Allez les gars! Allez, allez les gars! Courage!
lâchez rien, allez. Allez les gars, courage. Bravo les gars. Et voilà, c'est pas mal. Il dispose d'une bonne pointe de vitesse, mais il est à la peine dès que la route s'élève un peu. C'est un très bon puncheur qui roule aussi très bien sur le plat. J'aime bien les encouragements. Les hommes de tête vont aborder le premier classement de la montagne de la journée. Une côte de troisième catégorie où il y aura 2 points et 1 point à empocher. Bon rouleur, avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Nous approchons d'un classement de la montagne. Plus la catégorie est élevée, 4, 3, 2, 1 ou hors catégorie, plus il y a des points à marquer. Pour le classement de la montagne, attendez la fin des ascensions pour produire votre effort si vous voulez marquer des points. Ah, j'ai trop freiné. C'est trop emballé encore une fois. J'ai appuyé trop fort sur le frein. Ravitaillement, vous prenez de moitié votre jauge d'énergie et votre jauge d'attaque. Appuyez sur Y pour sélectionner un ravitaillement et maintenez Y pour le consommer. La zone de ravitaillement permet de les remplir à nouveau par la suite de l'étape. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez, 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 allez
dommage, on continue. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Il vient de chuter et il ne va pas pouvoir repartir. Il doit donc abandonner l'épreuve. Eh ben. Je me contente d'avoir entendu. Ça a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Produit de l'effort, pas mal d'efforts même. On suit Arndt. Il y a quand même 4 minutes d'avance là. Sur les échappés là. Belle épreuve. Ça tourne pas mal quand même là. Allez les gars, courage. Bravo les gars. Allez, allez les gars. Bon, les étapes de plaine, c'est pas là qu'il y a le plus de rebondissements. Tu peux accélérer le temps si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important. Bon non, on fait normal, hein. On fait notre circuit normal, on va pas accélérer le temps. L'écart avec la tête reste stable. On est à 5 minutes. Allez les gars, allez, go, go, go. Allez, on y va. Allez les gars. Allez, allez, allez.
équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. On a une belle descente. L'échappée perd du terrain. Nichal, il est juste devant là. Et dans le red, qu'est-ce qu'on dit là? Ouais. La prochaine difficulté est classée en quatrième catégorie. Il n'y aura donc qu'un seul point à marquer pour le classement du meilleur grimpeur. Alors on va suivre aux chasses. Allez les gars, courage! Bravo les gars, c'est bien! Allez les gars, courage! Continuez comme ça! Bravo, courage, on continue! Courage, on continue! Lâchez rien! Allez! Côte de 4ème catégorie, donc ça va. Ok. Non, je crois que c'est celle-là la plus dure. Je sais plus la quatrième catégorie si c'est la plus dure. Non, je crois que c'est dans l'autre ordre en fait. Quatrième plus simple et une plus dure et hors catégorie encore plus dure. Je crois que c'est comme ça.
Allez les gars, courage. Le peloton roule fort, restez bien placé. Le premier sprint intermédiaire approche pour la tête de course. Rappelons que sur cette épreuve, il y en aura deux à disputer lors de chaque étape. Des points à se partager pour les 15 premiers qui franchiront le sprint intermédiaire. Le premier empochera 20 points. La tête de course est à 3 km du sprint intermédiaire. Ils veulent disputer le sprint intermédiaire, ça se voit là. Les mecs. Vainqueur du sprint intermédiaire. 20 points, 17 points, 15 points. Vous approchez d'un sprint intermédiaire. Passer dans les premières positions permet de marquer des points. Pour le maillot vert, c'est bientôt le moment de sprinter si vous êtes intéressé par le classement. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. C'est un Grand Prix de la montagne classé en troisième catégorie qui attend maintenant les coureurs. Deux points seront attribués au coureur qui passera en tête au sommet. Allez les gars, courage! L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. J'ai gagné deux points. Un peu déçu. Allez les gars, courage!
Le ravitaillement est imminent pour les hommes de tête. Il y a Cocard qui est derrière. Groupe Cocard. Et les groupes Cocard, ils sont beaucoup. Hein. Oui, il y en a. Il y a Thomas B. Ah oui, d'accord, c'est toute la Team Cofidis. Ok, il faut que je regarde les couleurs des maillots pour me dire, parce que si jamais il y en a un qui est devant dans le peloton, c'est un qui fait freiner le jeu. Parce qu'il y a un coéquipier devant, mais là il n'y en a pas. C'est bon quand même, Brian Cocard il a rejoint. Au niveau. On n'a plus que 3 minutes d'avance face à eux, donc c'est bien. On est en train de grappiller des secondes.
42-43, on est en train de grappiller des secondes, là c'est bien avec Rota. Qui pousse le peloton là. C'est cool. Rota et Valasco. Valasco, par contre, lui, il a un maillot italien. Champion d'Italie. Velasco, pardon, pas Valasco. L'écart diminue les gars, le peloton devrait jouer la gagne. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Bon, non. Pas d'accélération. Ils iront pas au bout. Deux minutes. Ils iront pas au bout. J'espère qu'on pourra les rattraper avant. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Courage, allez, courage, on continue. Ah, il y a Geschke devant. Simon Geschke. Encore un sprint à faire, donc là cette fois-ci je me trompe pas de touche, parce que je me suis trompé de touche, c'est pour ça. Allez, rechasse, il est de nouveau devant, Velasco. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Oui, bon, on est quand même 1,50, 1,45. Donc, pof. Il creuse plus trop l'écart.
crois que Cocard il avait vraiment des problèmes parce qu'à chaque fois il est derrière. Il s'était peut-être blessé dans la chute. Les voilà! Allez, courage, les gars! Allez, je me suis un peu mis de côté sans faire exprès. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Le second sprint intermédiaire est imminent. Le premier coureur sur la ligne empochera 20 points pour le classement du maillot cyclamen. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Alors on les rattrape là, 50 secondes, c'est cool ça, on est en train de les rattraper. Allez les gars, courage! L'échappée est à 20 km du terme de cette étape, mais compte tenu de leur avance, il n'y a guère d'espoir que l'un d'entre eux lève les bras aujourd'hui. Catégorie
4. Et voici le dernier classement de la montagne avant l'arrivée. Il y aura un point en jeu dans la course au maillot à poids. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Encore 15 km pour les hommes de tête. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Voilà. Le groupe qui est en avance, on l'a rattrapé. Allez, plus que 10 km à parcourir pour le peloton. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. On arrive à la fin, presque 6 km, 5, 6 km de la fin. Nîmes, on arrive à Nîmes. Là, ça attaque déjà, 5 km. Plus que 5 km pour le peloton. On est en train d'attaquer la fin. C'est fou là. On poursuit toujours Pascalon. Le sprint massif se prépare et ça frotte dans tous les sens pour prendre la bonne roue. Le dernier virage, je crois. Je pense. Et voilà, le sprint est lancé. Les sprinteurs sont en plein effort. Cinq coureurs, trois coureurs, deux coureurs, un coureur, voilà. Trois jours de Provence. Première étape finie. Direction les résultats.
Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Molano, il a gagné. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. De l'UA, UAE Emirates. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Donc forcément, maillot jaune. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. C'est tout lui qui a gagné de toute façon. Première étape, c'est toujours comme ça. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à points de cette épreuve. Non, c'est un Gate. Moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. C'est Gate. C'est pas mon nom. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Non, le maillot jaune, Lind Andransen. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux. Bah oui. Donc, classement de l'étape. On a Molano numéro 1. Gaviria numéro 2. Tynes numéro 3. Et nous, on est... On est 38e. Alors, classement du meilleur joueur, du meilleur coureur. Grimpeur, pardon. Points. Moi j'ai 8 points. Donc classement du meilleur sprinter. Jeune de l'étape, du coup je suis pas dedans. Je suis pas dedans parce que normalement c'est moins de 20 ans, je crois, un truc comme ça. Classement par équipe. Notre équipe est 16e, c'est pas mal. Sur 25. Plus combatif, donc Fuchs, Gate et Dekelser. Ok. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement. Classement général, du coup. Prochaine étape. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir aux punchers. Ça peut valoir le coup de se glisser dans l'échappée matinale, car si on marque assez de points aux différents grands prix de la montagne, on peut prendre le maillot à poids. On n'a pas vraiment la faveur des pronostics pour l'étape. Mais il y a moyen de surprendre les favoris et d'accrocher un bon résultat en attaquant de loin. Bonne course à tous. Bon, ben ça sera pour une prochaine vidéo. Ça sera dans l'épisode prochain, Faïence, la gineste. J'espère que cette vidéo vous a plu sur Saint-Paul, Trois-Châteaux, Nîmes, la course des 3 jours de Provence. Et du coup, on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera... vallonné. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.